Et salut tout le monde, ici Albangoisse et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, on va voir le recap du live par rapport au patch 2.6, toutes ces informations qui seront officielles que vous pouvez vous attendre dans la version 2.6. On aura plein de petits trucs. On aura tout d'abord une nouvelle quête d'Archon, bien sûr des codes primogènes de ce live qui seront présents en description et le lien pour les rentrer en description ou sinon par paramètres, compte, code promotionnel, la quête d'histoire d'Ayeto, la bannière de personnages ainsi que des événements. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre petit like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant quand je ferai une prochaine vidéo. Et également, j'oubliais, il y a une nouvelle zone et on y va, c'est parti. Et avant de commencer, comme d'habitude, on va se regarder le petit trailer. Oula, attendez, que je ferme ça. Qui va être tout à la fin. Que moi aussi, comme j'étais en stage, donc j'ai pas eu le temps de bien voir. Tout comme de mettre au préalable avant donc les codes promotionnels. Mais moi, je rentrerai donc après. Et j'ai pas eu le temps de bien voir ce trailer. Alors attendez, on va mettre sur pause, donc j'ai mis les sous-titres. On va mettre les sous-titres en français. Et puis on va pouvoir bien kiffer, on y va, let's go. Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before! Ah, la petite clé. Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. Anything cool. Festival for the most crucial parts. Preparation. In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Aga has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato Hayata. Cascade! Mind the deluge. Everything's in place and they've taken the bait. Now to start reeling them in. My suspicions regarding the portal network are correct. Then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. As the Helitrolls go in, they never emerge again. Everyone's driving straight. A whole city that's floating in the air! What's that doing? More than one kind of strange power is here. That as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Huh? What's this? Conversation's over. Brace yourselves. Meddling fool! Encumber us no more! Find a way to stop that thing! Et voilà, voici donc l'ensemble du trailer de la bande-annonce de la version 2.6 qui en français s'appelle donc Zéphyr sur le jardin violet. Et donc, bah en fait, je vais revenir en détail de tout ce que vous
tous les éléments que vous avez vus. Bien sûr, il y aura la nouvelle zone tant attendue, puisque, en effet, après 1 an et demi du jeu, on a débloqué cette zone. Ça fait un petit peu longtemps. Et donc, ce sera la nouvelle zone, le gouffre. Donc, ce sera une nouvelle zone qui sera disponible, sombre et souterraine. Son exploration, donc, nous attend à nouveau du secteur des huées. Donc, en fait, pour la petite histoire, c'est une zone qui est située entre les huées et la nouvelle zone, la nouvelle région, pardon, qu'on aura potentiellement au mois d'août. Lors de la 3.0, il s'agit de Subelu. Donc, c'est une zone qui est sombre. Donc, je pense que potentiellement, on pourra avoir accès avec la quête d'Archon, qui on en reviendra plus en détail un peu plus tard. On aura donc dans cette zone, donc on va pouvoir avoir comme actuellement Inazuma, donc le même système du cerisier sacré, c'est-à-dire avec certaines ressources, on va pouvoir augmenter le niveau. Et donc là, on sait qu'au niveau 1, nos récompenses sont des résines de ce niveau d'aventurier. Minerais et 50 000 mora. Donc parmi les informations qui sont et donc on sait que c'est ces ressources là qu'il va falloir avoir dans l'exploration, et donc ça c'est des informations sujettes à changement. Mais donc en fait les récompenses, on va pouvoir avoir 2 pierres de la destinée plus 4 pierres de la fatalité plus beaucoup de mora et tout ça. Donc on aura des pierres pour vos vœux ainsi qu'un thème. Bon bah c'est confirmé alors. On va pouvoir aussi avoir un tout nouveau prototype 4 étoiles qui nécessite des minerais donc présents uniquement dans le gouffre. Donc ce gadget sera améliorable. Donc on aura un gadget qui va nous permettre d'avoir de la lumière. On aura le nouveau serpent des ruines qui nous a été dit précédemment lors du live 2.5. qui sera le nouvel mini-boss, on pourra l'affronter pour avoir des ressources pour les futurs personnages. Comme je vous l'ai dit, nous avons une nouvelle quête d'Archon qui sera centrée autour de Nansleaf. Donc voilà. Et on pourra apprendre plus sur ce personnage. Et évidemment, il faudra faire cette quête d'Archon si vous voulez débloquer. Semez-le. On aura également l'annonce du nouveau personnage 5 étoiles qu'on le savait déjà. L'épéiste Anemo 5 étoiles, donc Kamisato Hayato. Il sera un épéiste Anemo qui sera disponible durant la première partie de la 2.6, soit le mercredi 30 mars. Donc apparemment il aura des attaques fluides comme celle de Ayaka et des mouvements rapides et précis. Donc en soi sa compétence élémentaire elle va ressembler à celle de Mona qui va lui permettre donc d'attaquer à toute vitesse, il va pouvoir avoir un clone. Ça, c'est la première partie de la compétence. Mais donc, cette illusion explose en infligeant des dégâts hydro. Donc, ce qui va faire qu'il sera le personnage support. Mais son autre effet, c'est qu'il va permettre à nos autres personnages d'avoir du Shunziken. Il va permettre d'augmenter leurs dégâts d'attaque rapide. On aura également sa quête d'histoire qui sera disponible. Également, sa bannière d'armes qui sera Aran Gepaku. Dessus, voilà.
On aura également deux nouveaux artefacts, un artefact pour Xiao, qui sera le second artefact de la liste, et un autre qui va pouvoir booster des attaques lors des attaques normales, potentiellement pour Hayato et l'autre avec Yumiya. Donc le premier qui booste les attaques normales, c'est celui en haut, et après pour Xiao, c'est celui en bas. Donc, et bien sûr, on aura un donjon qui va nous permettre d'avoir ces 7 artefacts. Donc le premier va nous permettre de bénéficier 18% d'attaque, et après utilisation de déchaînement élémentaire, votre personnage aura une lumière naissante qui augmentera de 8% pour 16 secondes son attaque. Et quand... Ah oui, non, je me suis trompé, donc on inverse. Donc le premier c'est pour Xiao et le deuxième c'est pour... Donc ça c'est pour Xiao, donc voilà. Après, donc l'utilisation de son déchaînement élémentaire, donc il va permettre de booster son attaque de 10%, et donc à chaque fois qu'il va perdre des points de vie, allez. Voilà, à chaque fois qu'il va perdre des points de vie, il va pouvoir booster donc son attaque à peu près 10%, ce qui va faire 66%, et donc c'est quand même assez incroyable. Qu'il va augmenter son attaque, ou à chaque fois que son dégât, que ses PV donc diminue, bah comme avec l'effet du déchaînement alimentaire de Xiao. Donc ça va être uniquement pour Xiao, donc avec puisqu'il a ce déchaînement alimentaire. Donc l'intérêt c'est qu'il va permettre de boost, que quand il va faire des attaques plongeantes, il va pouvoir faire plus de dégâts, et ce sera uniquement le set d'artefact de Xiao qui va faire que Xiao sera vraiment meilleur. Et donc du coup, c'est comme ça, je pourrais vous refaire un guide qui sera remis à jour. On aura également Echoes of Offering, qui, quand les attaques normales donc, touchent les ennemis, il y aura 36% de chance d'avoir donc, des vallées du rite, qui va augmenter vos attaques normales de 70% d'attaque. Là, je viens juste d'y penser, et ça il est aussi utilisable sur Razor, hein, bien sûr, bien évidemment. Vu que Razor il fait beaucoup d'attaques normales, donc comme ça, ce sera raison que je vous upload le guide amélioré de Razor, et on va voir ce qu'il donnera avec ce set. Et donc, quand une attaque normale, donc va pousser son attaque de 20%, puisque Razor il va faire à chaque fois des attaques normales les nouvelles bannières, et comme vous pouvez le constater à l'écran, malheureusement, on n'a pas Kazuha, mais on parlera de son cas en fin de vidéo. Donc après toutes les annonces, on parlera du cas de Kazuha. Donc on aura donc les deux bannières qui ont également été offertes. Donc il y a un informateur qui dit très souvent, donc toujours de bonnes vidéos, qui l'avait dit donc avant le live, qui avait dit que les bannières ce serait ça. Et les bannières ce sera en deuxième phase. Nous aurons Kamisato Hayato, le nouveau épéiste 5 étoiles hydro, et avec lui donc il y aura sa bannière de sa nouvelle arme. Nous aurons aussi également le retour de notre barde, l'archon Anemo, qui je posterai un guide quand sa bannière sera là. Venti est un personnage, donc Anemo, qui est un archer qui est excellent, vu que c'est un archon, un excellent support, va beaucoup vous aider lors des abysses. Et donc ma vidéo, ça sera un petit guide comme ça, j'aurais pas beaucoup. Enfin, quoi qu'il est assez bon, hein. C'est bon Venti, avec le nouveau set qui sera à mettre sur Venti. Là, on ne sait pas encore le set qu'il faut mettre sur Kamisato Hayato. Venti, je vous rappelle, il a à peu près le même type que Kazuha. Il a sa compétence qui permet d'élever les ennemis, et son déchaînement alimentaire qui peut permettre d'attirer les différents ennemis. De plus, quand vous faites son E maintenu, il va pouvoir vous aider par rapport à votre exploration. Donc, qui peut être utilisé dans différentes équipes. Soit en tant que batterie avec Xiao, ou soit en tant que normal, il peut également être joué avec Kamisato Hayaka. Et donc il est vraiment très fort. Et ensuite, donc en seconde phase, en soi c'est pour la première fois qu'il y a version ça, qui met un personnage tout seul en deuxième phase, qui sera Kamisato Hayaka, la jeune frère de Kamisato Hayato, donc c'est logique qu'elle revienne. En plus elle vient dans l'événement principal. Elle apparaîtra dans la quête d'histoire d'Ayato, donc ça c'est logique. Qui sera une épéiste cryo 5 étoiles, et je vous ferai le guide ultime sur Kamisato Hayaka. Bien sûr, puisque je l'aurai pas build, mais ce sera en free to play comme pour Venti. Et bien,
Et donc, du coup, voilà, c'est tout pour les bannières de personnages. Ensuite, on aura un nouvel événement majeur, Use of the Violet Garden. Donc, on va voir différentes activités via cet événement. Donc, voilà, voici les récompenses. 990 primogemmes, des petites couronnes, des leçons d'XP, des moras, des minerais, ainsi que les matériaux d'amélioration d'ascension pour Kamisato Hayato, ainsi qu'un nouveau personnage 4 étoiles qui est excellent, qui sera Zenkyu. Zenkyu, c'est également comme Kamisato Hayato, un épéiste hydro, mais sauf qu'il est 4 étoiles. Sa compétence élémentaire qui va permettre d'appliquer les hydros. Comme Hayato, c'est un personnage de support et qui va permettre en même temps de soigner votre équipe et qui est très très bon donc lors des abysses, et c'est vraiment un personnage qui est à voir. Donc lors de ce festival de Yorodori, donc qui est le premier festival de la région d'Inazuma, on aura différentes activités. La première activité, donc ce sera, je pense, un événement qui va être rerun, c'est-à-dire que c'est un événement qui était déjà passé, c'était en 1.3 et qui se retrouve. Il s'agit d'un événement où on va pouvoir prendre des photos de certaines des environnements. Et donc du coup en soi c'est tout. Voilà, donc si on veut une fleur violette, il faut trouver une fleur correspondante à la description dans le monde ouvert. Après, le retrouver pour la troisième fois, l'activité numéro 2, ce sera le théâtre mécanique. En soi, le théâtre mécanique, donc vous avez des monstres qui viennent d'un point qui vont arriver à un autre point. Et à l'aide des tourelles qu'on voit à l'écran, on va pouvoir les construire pour éviter que les ennemis arrivent à un autre point. Ensuite, l'activité numéro 3, devenez les samouraïs de tous les temps et quelques combats où on pourra pouvoir défoncer le Ronin à l'aide d'un voyageur. Donc ça, c'est un nouvel événement donc qui va être ici. Donc avec le voyageur, il va falloir affronter pour le défoncer un Ronin. Donc à voir. Ah oui, ouais, blablabla. Et ensuite, l'activité numéro 4, un nouvel événement de composition florale. Donc, il faudra créer un Ikebana unique en son genre. Donc, en soi, il va falloir recréer cette fleur. Et donc, voilà. Donc, ensuite, on aura un autre événement, Spices for the West. Une certaine Lady de Sumeru viendra nous proposer un événement autour des épices et de cuisine. C'est un petit événement où, en gros, il faudra faire goûter des plats aux personnages une série de théières pour augmenter leur affinité. Tranquille ou banadou. On aura également un nouvel événement, Vibro Crystal Research. Donc, on va pouvoir. Donc, il va s'agir de deux piliers qui va s'assurer d'avoir de plus gros boosts pour affronter des ennemis. Et on aura de nombreux personnages en test, tels que Raiden Shogun et Benti, pour les ajouter aux deux équipes qu'on devra former lors des combats. On va voir matériaux d'amélioration d'armes, minerais, leçons, moras, primogèmes. Alors, on aura notre événement Outside the Canvas, Inside the Lens. Donc, c'est un événement qui sera centré autour de la photographie, parcourir le monde ouvert pour faire de parfaites photos de favoris. Et on aura également l'événement Les Flux de Lignes Énergétiques. En effet, pour ceux qui attendent encore leur casse-voix, c'est le parfait événement pour bien pouvoir augmenter son niveau avec le double de mora et également le double de livres d'XP. Et les codes primogèmes qui seront en description. Et il est temps de parler du cas de Kazuha. Moi, je crois savoir quand Kazuha sera fait un raid, mais c'est uniquement mon avis. Et votre si vous n'êtes pas content, vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Donc c'est pas les fuites ni rien, c'est ce que moi je vois le jeu. Parce qu'en effet, par rapport au rerun, donc il nous reste le rerun de Arataki Ito, de Yomiya, également Kadara Kazuha. Je crois également Yoverse, ils vont refaire un autre rerun de Clay. Il y aura également le rerun de Shen E. Mais quel sera l'ordre de ces reruns? Donc par rapport au cas de Kazuha, on va partir donc du fait que Yoverse, donc ça va être exactement comme avec. Donc, il va y avoir deux bannières rerun, ni trois. Donc, si on part de ce sens-là, moi je vois qu'en version 2.7, donc également
Je ne vous l'ai pas dit, mais on n'a pas encore eu l'information officielle qu'il y aura les deux nouveaux personnages en 2.7. Miguel Defit qui pointe très forcément donc, vers ces deux personnages. Et donc, par rapport à mon avis, on va ajouter ça. Donc, en première moitié de la version 2.7, on aura ces deux personnages potentiellement. On aura le nouveau personnage 5 étoiles qui sera Yelan. Donc, ça, ce sera confirmé, je pense, le lundi 28 mars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant que vous n'oubliez pas cette vidéo. Nous aurons Yelan, qui est le deuxième personnage archer 5 étoiles du jeu, qui sera accompagné du Kuki Shinobu, un personnage 4 étoiles, mais actuellement, on ne connaît pas encore son élément. Donc ça, ce sera la première bannière de la première phase de la version 2.7. Ça, je pense que c'est sûr, comme d'hab, nouveau personnage, la première phase. Ensuite, avec ce... Après, je sais pas si WarioWare, si vous le faire comme ça, qu'il y ait un personnage de la phase 2 qui soit tout seul. On va essayer de faire dans les deux situations de 2.7. S'il y a un personnage qui est tout seul, donc ça veut dire qu'on mettrait Yelan, pardon. Avec Yelan, ils mettront donc notre petite Arataki Ito, donc personnage 5 étoiles, Geo et tout ça. Donc il y a un système de stack dont je ferai la vidéo de Yakunin Iki. Donc ce sera un petit dimanche, vas-y, un petit chill. Dimanche, allez hop. Donc il y aura Arataki Ito dans la première phase et en seconde phase, on aura également notre Yomiya. Et Yomiya également qui peut. Je vous l'ai dit qu'il peut être utilisé via le 7. Donc ça, c'est la première solution où Yomiya est tout seul. Ou on peut prendre la deuxième option où il y a Yelan. Et en deuxième phase donc de cette mise à jour, donc la 2.7 qui commencera le 11 mai. Donc ça, c'est selon mes calculs, mais c'est pas officialisé. Et après, en deuxième phase, nous aurons Arataki Ito et Yomiya tout seul. Et Yomiya ensemble. Et ensuite, nous allons parler de la 2.8. La 2.8, moi je pense que c'est le parfait moment pour faire revenir Kazuha. Pourquoi? Donc c'est au pire du pire. Hein. Moi je ne suis pas WarioWare. Je fais que des suppositions, ce sont des spéculations. Donc en première phase de la version 2.8, ils pourront faire donc Shen-E, donc personnage 5 étoiles, donc l'ancien Cryo, en première phase, puis en deuxième phase, Clay, personnage 5 étoiles, donc catalyseur Pyro. Plus Kaedera Kazuha, qui est le pays 5 étoiles anévo qu'on attend. Donc au pire, ce sera en 2.7 ou en 2.8. Mais il ne peut pas être au-delà de la 3.0. Parce que ça aura fait long. Et franchement, je suis désolé pour ceux qui veulent Kazuha, même moi. Je suis vraiment désolé. Ou également, donc ce serait Shen-E plus Clay. Et en deuxième moitié, donc Kaedera Kazuha. Donc voilà. Ça, c'était mon avis. Par rapport à Kaedera Kazuha, quand il pourrait revenir. Ou sinon, peut-être en 2.7, mais ça, on croit qu'à moitié. Peut-être qu'il y aurait des 4 bannières. Peut-être que WarioWare veulent mettre à la place de Yomiya. Non, je pense pas. Je pense que... Parce que après, si c'est à clé, il y aurait deux patchs. Il y aura même patch où il y aurait des éléments. Je pense que... Ce serait assez cohérent. Et pourquoi ce serait cohérent qu'il soit en 2.8? Puisque tout simplement, l'année dernière, donc en fait, c'était en juillet dernier, qu'on avait eu Kaedera Kazuha, donc ça ferait pile un an, ce serait logique et cohérent de ce sens-là. Mais ce serait aussi cohérent puisque l'année dernière, c'était également la mise à jour avant la nouvelle région. Et en effet, puisque là, la version 2.8, ça sera le dernier patch avant la nouvelle région qui sera soumise. Donc je pense que ce serait deux fois plus que ce serait plausible pour que y ait Kazuha. Donc du coup j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre une cloche et à dire ce que vous en pensez par rapport à ma théorie de Kaedera Kazuha. Et également si vous allez être hype. Évidemment que moi je veux faire du contenu. Moi je veux faire l'événement de Yakunin Iki dimanche. Je vais refaire cette vidéo, mais avec le bilan Primogem lundi. Et après, la semaine prochaine, je serai le premier youtubeur à faire les fuites des informations de la version 2.7. Enfin, par rapport à ça, ce que vous savez. Et on a un peu plus d'informations